Alors les gars, aujourd'hui je vous offre gratuitement des presets de tests pour Premiere Pro qui vont vous aider à créer des animations de tests magnifiques sur Premiere Pro facilement et rapidement. La particularité de mes presets, c'est qu'ils sont d'abord légers de taille et vous pouvez les modifier plus facilement selon la taille de votre test, la trajectoire et bien sûr sa vitesse. Donc pour commencer, je vais vous montrer tout d'abord comment accéder à ce pack et ensuite je vous montrerai toutes les étapes et détails importants que vous devez savoir pour utiliser ce pack d'animation de test plus facilement. Alors comment accéder au pack? Pour accéder au pack d'animation de test, il suffit tout simplement de prendre par le lien dans la description de la vidéo, le premier lien que vous allez voir là, pour atterrir sur cette page. Donc une fois que vous serez ici, vous verrez que c'est un produit sur un site ici, c'est le pack d'animation de test pour Premiere Pro. Et une fois que vous êtes ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton ajouter au panier et ajouter le produit à votre panier. Ensuite, vous allez venir ici tout simplement, venir donc au niveau du cadran code promo et appliquer le code promo. Alors, où est-ce que vous allez retrouver le code promo? Le code promo, c'est un ensemble de 8 lettres que vous allez voir tout au long donc de cette vidéo. Donc, je vais afficher le code par 2 lettres à chaque fois dans différentes sessions de cette vidéo. Donc ici, moi, je vais mettre tout simplement le code promo, faire appliquer le code et vous verrez que le produit ici va passer donc de 5€ à 0€ et vous pouvez faire valider la commande. Maintenant, tout ce qui reste donc à faire, c'est d'ajouter vos informations, donc nom, prénom, pays, numéro de téléphone, email tout simplement, et cliquer sur le bouton commander. Et comme vous le voyez ici, nous avons merci, votre commande a été reçue tout simplement. Et ici, vous pouvez cliquer pour télécharger votre pack d'animation totalement gratuitement. Donc une fois que j'ai téléchargé le pack d'animation, je vais venir ici, aller donc dans le dossier du pack tout simplement. Et une fois dans le dossier ici, vous voyez que donc le fichier est au format zip ici. Je vais le dézipper tout simplement pour pouvoir récupérer le contenu ici et maintenant passer à Premiere Pro pour importer mes animations. Donc nous voici ici sur Premiere Pro, je suis dans un projet préfère tout simplement. Et ce que j'ai à faire ici, c'est retrouver le panneau des effets. Donc le panneau des effets ici chez moi est à ce niveau. Mais chez vous, ça peut se retrouver à d'autres niveaux. Si vous le retrouvez pas, allez tout simplement dans fenêtre et essayez donc de cocher la rubrique effets ici pour retrouver donc votre panneau. Donc ici, moi je vais venir au niveau des préconfigurations, cliquer sur le dossier de préconfiguration ici et faire un clic droit. Ensuite, importer les configurations. Et là, ça m'amène dans le dossier de mon animation que j'ai téléchargé un peu avant. Je vais cliquer donc sur cette préconfiguration et cliquer sur ouvrir. Et là, mon pack d'animation est importé. Mais vous ne le voyez pas là tout de suite, ne vous en faites pas. Ce que vous avez à faire, c'est de prendre par la barre de recherche donc du panneau effet ici et rechercher Killer comme ceci. Donc vous voyez, quand j'ai mis Killer là tout de suite, j'ai retrouvé donc le dossier Killer Holland Precept. Et dans ça, on a les animations avec leurs différentes catégories. Donc nous avons des animations de type slide précisément et divisées en plusieurs catégories. Donc pour les animations de down, c'est les animations qui quittent tout simplement le haut vers le bas, le left de la droite vers la gauche, le right de la gauche vers la droite et le up du bas vers le haut. Maintenant, si vous observez très bien, vous allez constater que dans chaque catégorie, nous avons des combinaisons en fait de l'orientation de cette animation avec différentes autres orientations. Par exemple, ici, on est dans la catégorie down, mais on a du down. On a du down, down, on a du down, left, down, right, down, up. Donc, vous pouvez choisir en fonction donc de l'orientation que vous souhaitez, que peut-être l'animation commence par le bas vers le haut, ensuite que ça termine vers la gauche ou vers la droite. C'est vraiment à vous de voir avec ces différentes combinaisons. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est vraiment voir comment utiliser ces animations. Et pour cela, je vais revenir ici, sélectionner mon outil test, cliquer ici pour ajouter donc un test. Voilà, au hasard, je peux mettre mon tâche comme cela. Je vais essayer donc de le mettre un peu au milieu, tout simplement. Et maintenant, je vais essayer donc de le positionner au niveau où je souhaite donc ajouter le test avec l'animation dans ma vidéo.
Donc maintenant que le test est là, je vais venir donc dans effet rechercher Killer ou tout simplement prendre par le dossier des presets ici. Vous voyez, on a Killer Holland Preset là et on pourra voir ici à l'intérieur les différentes catégories. Donc en fonction de l'orientation donc que je veux donc pour mon animation, je vais tout simplement choisir l'un des dossiers ici. Donc moi je veux du hop, donc quitter le bas vers le haut. Donc je vais venir directement dans hop ici et je vais choisir donc l'animation hop et right. Donc ça commence par le bas vers le haut et ça finit sur la droite. Donc je viens ici chercher l'effet et je viens donc l'appliquer ici à mon test. Et si je reviens ici au début donc du test que je joue, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc pour le début, on voit que ça quitte le bas vers le haut. Et pour l'outro, on voit donc que mon test disparaît ici sur le côté droit. Alors l'autre chose que vous pouvez constater ici dans les catégories donc d'animation qu'on a, vous allez constater qu'à certains niveaux, on a du plus une seule fois, à d'autres niveaux, on a du plus, et à d'autres niveaux, on a du plus, donc trois fois plus, tout simplement. Alors, les plus ici sont signes de la rapidité, donc, de l'animation. Donc, quand vous prenez, donc, une animation avec un seul plus, c'est plus rapide qu'une animation avec deux plus, ou une animation avec trois plus. Donc, les plus définissent un peu la rapidité, donc, de l'affichage, donc de la mise en place de l'animation tout simplement. Donc si je prends le plus light up plus down par exemple et que je viens le mettre ici sur mon test, que je reviens au tout début jouer, vous allez voir un peu ce que je suis en train de dire. Vous voyez, l'animation prend un peu plus de temps à se mettre en place plutôt que dans le premier cas. Important, mes presets s'adaptent automatiquement à la taille de votre test, donc rassurez-vous d'avoir déjà la taille maximale de votre test avant donc de l'appliquer. Par ailleurs, si vous appréciez ce beau cadeau que je mets à votre disposition, n'hésitez donc pas à me laisser un gros pouce bleu en l'air pour me le faire savoir. Quand on rallonge ceci par exemple, que je reviens au début, sachant bien qu'on vient tout juste donc d'ajouter une animation déjà à ce test, vous allez constater que voilà, on aura l'animation de début exactement comme cela se doit. Ensuite, le test va disparaître avant la fin parce qu'on a déjà appliqué l'animation avant maintenant d'ajuster la durée du test. Donc pour que vous n'ayez pas à gérer à chaque fois les keyframes ici, tout simplement, vous voyez, c'est un peu un bazar. Pour ne pas avoir à gérer tout ça, il faut déjà donc avoir la durée maximale, sinon la taille que vous souhaitez donc pour votre test déjà sur votre timeline avant d'appliquer donc l'effet d'animation. Et si j'applique ce que je viens de dire, on aura donc ici, vous voyez ici là, on n'a pas encore l'animation, on n'a rien là tout simplement. Mais je vais venir donc rallonger mon test et me rassurer que j'ai la longueur voulue pour mon test avant d'aller maintenant dans effet et d'appliquer donc mon animation. Et dans ce cas, vous allez constater que si je viens au début ici et que je joue tout simplement, on aura l'animation de début qui va rester jusqu'à la fin, comme cela se doit. Alors pour finir, je souhaite tout simplement vous montrer exactement voilà cette animation déjà appliquée donc dans une vidéo qui est déjà en ligne sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez voir exactement qu'est-ce que ça donne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un personnage comme ceci pour votre chaîne et l'animer afin de donner plus de dynamisme à vos prochains montages vidéo sur YouTube. Je ne sais pas si... Donc voilà un peu tout simplement ce que vous pouvez réaliser avec ces effets, ces préceptes donc d'animation. Donc vous allez constater que ce n'est pas un pack voilà d'éléments avec plein de graphiques très lourds. Vous avez juste à ajouter votre test et ajouter en fait les effets là-dessus comme des préconfigurations tout simplement. Et ben voilà, comme je vous l'ai signalé au début de cette vidéo, ce pack vous est offert gratuitement. Si vous n'avez pas vu le code, revisionnez encore la vidéo et faites un peu plus attention. Donc maintenant, allez-y créer de magnifiques animations de test sur Premiere Pro. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour voir mes autres tutos sur Premiere Pro. À tout de suite.